Bonjour docteur, ma première question concerne les défauts visuels que vous pouvez opérer par la chirurgie réfractive au laser. Tous les défauts visuels, qu'ils affectent la vision de loin ou de près, sont opérables. Y a-t-il une limite d'âge ? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Quel est le budget à prévoir ? La chirurgie réfractive ne donne lieu à aucun remboursement par l'assurance maladie. Le reste à charge se situe entre 900 euros et 1500 euros par œil, selon la technique et la mutuelle. Il est très bien détaillé dans notre plaquette informative. Mais alors, comment est déterminé le choix de la technique opératoire ? Au cours d'une consultation préopératoire, il vous sera exposé la ou les techniques adaptées à votre situation. Est-il possible d'opérer les deux yeux simultanément le même jour ? Tout à fait, et quelle que soit la technique utilisée. La chirurgie réfractive souffre de l'existence d'énormément d'idées reçues et de défiances. Rassurez-vous, tout ceci est faux. Une page internet a été créée pour désamorcer toutes ces craintes basées sur des données scientifiques. Je vous invite à la consulter. Serais-je endormi ? Bien évidemment, vous serez endormi, mais uniquement par une anesthésie locale. La chirurgie est non douloureuse et ne nécessite donc pas une anesthésie plus complète. Combien de temps dure une opération ? La chirurgie des deux yeux nécessite un passage au bloc opératoire d'une durée approximative de 20 minutes. Y a-t-il une invalidité post-opératoire ? Selon la technique, la gêne sera de 3 heures ou 48 heures. Dans le premier cas, vous pouvez travailler dès le lendemain, mais pas avant 4 jours dans le second cas. Alors commençons la consultation. J'ai besoin de vos dernières ordonnances de lentilles et lunettes. Merci,